Life plate. Ah bah voilà, il a trouvé tout de suite. Tout de suite. Salut. Salut Strega. Je sais plus quelle est la taille de cet endroit. Du coup, faire par rapport à ça. Hein? Non. J'espère que tu vas bien. Bon, il a plus, quand ça s'appelle. Il a plus de dimanche. Mais c'était bien. Je sais pas pour toi si c'était bien, si t'es sorti. Hop, et maintenant je vais voir et pourquoi je peux pas. History. Non. On peut pas enlever les trucs en dessous là. Well, hotkeys. C'est apparu nulle part. À l'ouest ce matin. C'est apparu nulle part. J'adore. Global hotkeys, non. Du coup, end split, non. Diet, non. Settings. Start split. Un endroit où j'ai pas cliqué. Ah, je peux pas faire ça. Lol. Qu'est-ce qui n'est jamais utilisé? Insert. Je comprends pas pourquoi je peux pas enlever la taille. Ah si, la taille. Elle rétrécit. Mais ça rétrécit aussi l'ensemble. D'accord. J'enlève les piliers. Est-ce que ça enlève... C'est boost sur Mastodon. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi il veut pas rajouter... My work is done here. Mais il y a un décalage d'écran, personne m'a dit. Depuis combien de temps c'est comme ça? Début, j'imagine. Bon. Que le jeu se lance? Non. Non. Ah, mais c'est l'écran lui-même qui est. C'est l'écran du jeu qui est décalé par rapport à la fenêtre. Incroyable. Bon, j'ai mis le split pour faire la blague. Parce que ça va pas du tout être un speedrun. Hein. Mais vu que maintenant on a l'oxygénateur portable, on peut se dire oui, tout était organisé, ça fait juste 15 épisodes qu'on est dessus, bien entendu. Alors moi, en vrai, si tu veux qu'on en discute un petit peu, Strega, il y a un truc où je fais un peu de l'anti-com. C'est pour ça que ça me fait rire un peu aussi l'arrache. Je sais qu'il y a des manières de faire booster ton contenu par l'interaction et compagnie. Mais sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, j'ai pas un contenu qui vaut le pendant du, comment on dit? Je suis pas constant sur le style de contenu, donc du coup c'est difficile de vendre entre guillemets le truc. Bon, vous êtes prêts? Donc première chose, on va devoir équiper avec au moins plus de 6 trucs. Vous êtes prêts? Prêt? On va faire le time. 1, 2, 3. Il a pas accepté? Bah. C'est bon? Donc on se débarrasse de ça. On n'aura plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin non plus, je pense. Hop, hop. On va avoir besoin de 1, 2, 3, je crois, comme ça. Où sont les GTR mini? Ça y est, le speedrun est fini. Où sont les GTR... Mais... Où sont mes générateurs? Ah, ils sont tous là-bas, vite. Ah ouais, faut qu'on choisisse la radio, bien sûr. Hein. Ne vous inquiétez pas, le speedrun n'enlève pas la radio. Oh, une troisième. On va aller jusqu'au bout. Mais attendez.
Bim. Le buggy. Vite, le buggy X. Et on se barre. Alors, maintenant, faut s'organiser pour pouvoir savoir où on va. Ok, on va là-bas. Donc on va essayer d'activer la planète. Voir ce que ça donne. Dans un temps record, bien entendu. Non, non, mais c'était juste une manière d'expliquer le truc, c'est que je fais un peu de l'anticom. Le sens où, par exemple, pareil que ce que tu fais, Strega, c'est-à-dire que je partage les contenus que j'apprécie et j'interagis pas forcément avec les gens qui le partagent. Ah! Faut juste pas perdre le buggy. Si on perd le buggy, c'est fini. Là, on va avoir du mal à pas ce trou. Dans le sens où, par exemple, en fait, c'est donner de la voix pour moi, les réseaux sociaux, plus que autre chose. Alors. Il donne trou 2 minutes, exactement. Y a des choses ici. Il y a du graphite. Eh, mais. C'est moi, il y a un bug X là-bas. Genre, abandonné. On sait qu'il est cassé, ça se trouve, il est pas cassé, hein. Déjà, speedrun pas droit. Déjà, ça c'est parti. On y est. Donc je sais pas si il y aura la suite du coup du speedrun, bien sûr, parce qu'il y a toujours eu des suites au speedrun. Hein. Vous connaissez les speedruns qui s'arrêtent, où on peut faire des pauses et on recommence un jour après. Et bah c'est possible que qu'on ne le fasse pas. Parce que c'est possible aussi que jeudi. Et vendredi, je ne sois pas là. Alors, je ne sais pas du tout, parce que j'ai appris qu'il y avait un pont un jour. Et je me suis dit, ah, il y a un pont? Ah bon? Mais comment je vais faire? Je dois finir des trucs. Et voilà. On est en speedrun, hein, on va tout droit. Hein. Et voilà. Activer ce truc-là. Et bien sûr, n'hésitez pas. Hein. La radio fait partie du speedrun. Faut sortir, voilà. Le speedrun est sortir de la voiture. Des fois, je m'apprécie pas trop sur la manière dont je fais les choses. Donc, n'hésitez pas hein, à me dire si c'est pas du tout abusé ce que j'ai fait. J'en ai marre de la carte, merci. Maintenant qu'on n'a plus de problème de rallonge, c'est incroyable la vitesse à laquelle on joue. C'est magnifique. Mais pourquoi je prends de. Ah, c'est l'oxygénateur! Il utilise mes piles! Non! Mon speedrun! Non! Non! Regardez! Je vais mourir à cause de mon oxygénateur, mais c'est quoi cette histoire? Vite, faut que je me branche! J'ai plus d'énergie déjà. Vas-y, c'est bon, tu peux le faire de loin. Hein. On est avec toi. Le speedrun qui s'arrête tout de suite à 5 minutes. Non, mais on n'y arrive même pas. En train de remarquer. Ah si, c'est bon. Vite. Waouh. J'ai l'oxygénateur qui bouffe tout. Incroyable. Qui aurait pu penser? J'aurais juste dû calculer, mais il me fallait encore des piles. Bon, 4, ça a l'air d'aller. Faut juste pas faire n'importe quoi. Ok. Je vais éteindre la lumière, comme ça on va utiliser moins de. Moins de piles. Voilà, c'est pour s'amplifier, montrer ton soutien. Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors, on est la suite. Donc, déjà en 5 minutes, on a fait un pilier. C'est déjà pas mal. Je crois qu'il en reste 3 normalement.
Exactement ce que je pensais. Carte. Ok, par là. Ah, il y en avait un en face, mais on va aller en face. Je sais pas si c'est trop loin. On avait vu celui de, à droite avant. Oh, mais ça c'est joli ça. Il y a des piles aussi en plus. On saura qu'ici il y a un truc. Speedrun, bien sûr, fonçage dans les rochers. Ah. Retournage de Buggy, bien sûr. Allez, on fait en reculant cette fois-ci. Oh. Je crois que j'ai choisi pas le meilleur parcours. Je crois que vous appréciez ce speedrun, bien sûr. Je vous montrerai bien sûr après le speedrun Sekiro, comme Raving Bell fait. Oh. Oh, le speedrun de l'enfer. Je devrais rajouter en tag d'ailleurs speedrun, histoire pour la blague, pour voir que les gens ils aiment pas les blagues. Vraiment sérieux dans leur speedrun. Quel enfer. Oh. Alors que les meilleurs speedruns, c'est ceux qui sont rigolos. Mais on est en train de bouffer la batterie. L'oxygénateur, il est en train de bouffer la batterie du BugX. Je suis choqué. On n'a même pas de vent, ce qui veut dire que c'est totalement totalement ça. Allez. Maintenant c'est une plaine, on va tout droit, ça va aller vite. On a pris 2 minutes sur les rochers, mais c'était un obstacle important, hein, et très connu dans les speedruns de Astroneer, bien sûr. Il devrait rajouter ça en tag. Pour le chemin. The Unrun Warp. Qu'est-ce que ça veut dire? Cladmi. Je ne connais. What do you mean? What do you. Bonne chance pour la run. Alors, c'est une run. C'est une fausse run, hein. Mais t'inquiète, le but, c'est de survivre. Bien sûr, on a l'oxygénateur, bien entendu. L'oxygénateur portable qu'on a fait juste avant, après 15 épisodes de fait. Et maintenant, on voit que l'oxygénateur est en train de bouffer. The Run War. Ah, World Pace. S'installe dans le lurk profond. World Record, ah oui bien sûr, oui c'est tout à fait un World Record, je vous ai pas dit, ah oui je vous ai pas dit, bien sûr, Any% bien sûr, regardez bien, il faut bien sûr nettoyer, est-ce que vous avez déjà vu ça dans un, est-ce que vous avez déjà vu ça dans un speedrun, nettoyer bien sûr l'endroit où vous allez speedrunner, est-ce que vous avez déjà vu qu'il fallait creuser, que un jour vous vous êtes dit, je vais. Il a pas les outils. Il peut faire un speedrun. Bien entendu. Où est le sol? Où est le sol de ce truc-là? Ah, il est là. Ok. Salut Raving Bell. Je te fais un shoot-out parce que je sais que tu fais un run Sekiro en ce moment. Et je sais que c'est le. C'est moins dur que le run Astroneer. Bien entendu. N'hésitez pas à choisir la radio, hein, ça fait partie du run, hein, on avait dit. Raving Bell. J'espère que, en tout cas, ça se passe bien ta partie parce que je sais que Sekiro a l'air sympa de prime abord, mais ne l'est pas en second abord. Alors, le but, le problème, c'est qu'on a un problème de. Comment dire d'oxygénateur qui bouffe notre. Notre électricité. Donc le but, c'est de mettre peut-être les piles avant de mettre le. Donc on va poser les piles. On va les connecter. Et ensuite, bien sûr, à la fin, on connectera ça parce qu'on n'aura plus beaucoup de batterie de toute façon. À partir de maintenant, je suis sans batterie. Je vais mourir moi de mon côté, mais ce pilier sera activé. Et ça, c'est important. C'est important, bien sûr, dans ce speedrun. C'est le speedrun de la survie. Si j'arrive à survivre déjà, ce serait pas mal. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, hop, on se barre. On va aller essayer de récupérer de la Vix là-bas. Vraiment facile, ouais. Les niveaux de sel ne sont pas du tout au-dessus des normales saisonnières. Non, pas du tout.
clairement. J'avoue que c'est. Non, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des. Ça a l'air simplifié, Sekiro, ça ne l'est pas. Bon, bonjour Cladmi, je pensais que t'étais un speedrunner chevronné ou speedrunneuse chevronnée. Il s'avère que tu sais aussi que je suis un speedrunner. Tout autant chevronné que toi, j'imagine. Alors, moi, je suis foutraque, hein, bien sûr. Oui, tout est écrit, hein, c'est à l'arrache. On a même fait un faux départ, bien sûr. Regardez, dans ce speedrun, les piliers ont été validés à zéro, alors qu'en fait, pas du tout. tout va bien dans ce speedrun, bien sûr, de l'enfer. Allez, hop, on se barre. Oui, voilà. Merci, merci, Cladmi. J'espère que toi, tu speedrun, bien entendu. Toi, qu'est-ce qu'il y a comme truc super dur à speedrunner Comment s'appelle pas le Dark Souls 1, mais l'autre, là. Celui qui est de l'enfer et le premier de FromSoft. Je crois que celui-ci, en speedrun, doit être bien vénère. Même s'il doit y avoir pas mal de bugs. Alors, faut que je te chouchoute, Ringbet. Bien sûr, les chouchoutes font partie du speedrun, hein, bien entendu. Je chouchoute. Je vais modifier, bien entendu. Bien entendu, en live. Vous savez que. Vous savez peut-être qu'on peut faire des runs Twitch. Et que du coup, les runs Twitch, eh ben, en fait, ça inclut aussi, bien sûr, de se balader dans OBS, de faire des modifications de filtres. En live et à la volée, pendant que vous changez bien sûr le titre de votre stream, tout en changeant les catégories, sans avoir de problème bien sûr de lag dû à Twitch, ni d'OBS, ni de votre outil préféré, bien entendu. Et ça c'est beau. Je pense qu'on l'a inventé récemment. Et je pense que ça, c'est nécessaire. Il faut montrer la galère de la vie. Alors que, bon, tout le monde sait que préparer une save pour pouvoir dire, voilà. Alors attendez, parce que je vais tomber dans un trou. Préparer une save, bah, c'est la base des speedruns par moment. Là, on a préparé une save, bien sûr, plutôt simple, c'est-à-dire avec l'oxygénateur portable. qui est pas très compliqué à avoir, bien sûr. Il faut juste travailler pendant au moins 15 heures sur le jeu, 30 même, en mode normal, pour pouvoir éviter tout le problème. Attention, est-ce que je vais réussir à faire mo les modifications du stream en même temps? Et là, vous allez pouvoir apprécier ce speed. Ah, un trou. Bah, c'est le moment. Là. Hop. Ah ouais, le trou est bas. Où est speedrun? Faut que je précise any%, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de run any%. C'est pour ça que j'avais parlé de any%. Any%. Hop. Bien sûr, c'est tout à fait pas du tout la galère. N'hésitez pas, la radio compte, hein. Je vais mettre false parce que je sais, je connais les gens. Je connais les gens. Ils vont arriver, ils vont dire non, mais c'est pas possible, c'est pas vraiment un speedrun. Est-ce qu'il y aura un bug d'après vous? Hop! On dirait qu'il a déjà été activé celui-là, non? Non. Hop! Et après, on va aller dans le noyau, bien sûr, hein, parce que c'était le principe. J'ai fait une dédicace à Ravenbell, on est d'accord que c'était pratique, c'était. J'ai réussi. Pas fait n'importe quoi. Bien sûr, le menuing base incroyable de tous les speedruns. J'espère que je vais participer à Speedon 2024, hein, bien sûr. Pour montrer à quel point Astronir est nécessaire en speedrun de l'arrache. Ah non, j'ai fait une bêtise. Attendez. Parce que je suis en train de perdre mes piles. Hop. Hop. Merci.
Je vois, il y a des choses que je vois pas et je sais pas pourquoi je vois pas les chouchoutes. Tu veux pas monter toi? Non? Bon. Hop. Et il nous manque maintenant. Connexion finale. Pourquoi il veut pas aller là? J'ai plus d'énergie. Mon oxygénateur il est en train de me tuer. Allez, c'est parti, je me barre. Ah, je vais mourir, vite. L'électricité du Bugix. Vous montre un peu à quoi ça ressemble. Quand tu veux, hein. Merci. Bon, on va checker le noyau de ce truc-là. Speedrun montage de piliers. Hein. Attendez. Ah! Oh! Récupérez ça, vite. Vite. Ok. Ok. La fin du speedrun va se trouver dans la grotte à la base. Regarde. Il nous en manque quoi? On tous activé là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça a l'air d'être tout activé, hein. Ok. Ça a l'air d'être valide. C'est validé. On rentre à la base. Bon, c'était là où j'aurais dû appuyer sur, bien sûr, le truc de... on a fait les piliers. Et maintenant, la maison. Éviter les trous, si possible. Mais il y a de plus en plus de trucs par terre, j'ai l'impression. Hein. Débris, là. Et à partir du moment où on est dans la grotte, n'hésitez pas à choisir une radio, bien sûr. Parce que là, on a la musique... Salut Nibbler, on est tout à fait en speedrun de Astronir. Voilà. On va finir le jeu aujourd'hui. Alors j'ai vu que le speedrun officiel c'est de 4 minutes 40. Bon bah nous on a décidé de faire le any%, donc forcément c'est au moins 75 heures. Comme le temps de jeu, hein, bien sûr. Nibbler qui est officiellement la co-réalisatrice ici de Chronologie des femmes artistes, si vous ne connaissez pas. C'est à la base ça qu'on faisait. Et depuis, perdu sans Nibbler, je ne sais plus quoi faire. On va y arriver. C'est un trou! C'est un trou, j'ai failli sauter dans un trou. On va passer par les rochers, hein. Bien sûr. L'obstacle premier de tous les speedruns, les rochers et les arbres. J'y arrive. Je vais y arriver. Ah! Ouh! Alors oui, ça arrive de temps en temps dans ce speedrun de glitch. Oui. Waouh! Depuis, c'est les speedruns trou et roulade dans Buggy, exactement. C'est d'ailleurs son nom, bien entendu. Alors, je tiens à préciser que ça, le truc de faire en sorte que tous les piliers ça s'active, c'est le jeu. Et il faut faire ça sur toutes les planètes. Chose qu'on ne va pas faire. Hein. Il y a des moments où j'ai la flemme et ça en fera partie. Donc, on va faire ici déjà. Pour connaître l'avis du chat. Oh, l'Astropole, mais t'es tellement. Tu t'es tellement une old school de Twitch Nibbler sur la suite de Chrono en vrai. Non, mais. Si on fait un Astropole, tu sais, c'est quoi les réponses? C'est ça qu'il faut que tu me proposes. Parce que là. comment dire? Oui, non, peut-être, un jour, si on a le temps, à quelle heure? C'est compliqué. On en rigole, mais c'est quand même assez triste. On a vraiment pas beaucoup de temps avec Nibbler. Il faut dire ce qui est.
On a, si on doit faire, si on a un peu de temps, on fera forcément l'originals, le préquel, bien sûr. Un live long pour donner des news. Ah oui, c'est vrai, le live long. C'est vrai qu'on avait parlé de ça aussi. Exact. Donner des news. faire en sorte que les gens savent que tu vas bien. que tu es toujours dans le coin, surtout. Un live court pour voir ma tête. Donc oui, Nibbler va bien. Hein. Je n'en parle pas sans sa présence, mais oui, Nibbler va bien. Comme vous pouvez voir. Je tourne là, je crois. Après, faut qu'on rentre dans le trou. Un live sur la dernière historique de l'épreuve d'équitation du pentathlon. Ah oui, mais ça, c'est toi qui as envie absolument pour pouvoir relancer la gauche laser. Je te connais, hein. Ça, c'est uniquement pour la gauche laser. C'est à cause des JO 2024. Je sais que tu as des griefs contre les JO. vous ne savez peut-être pas, mais on en avait parlé, je crois, que tu faisais ça. On en avait parlé dans Chronologie que tu faisais du pentathlon et que c'était juste avant les JO et que on s'est barré avant. Donc on peut faire la quoi quoi qu'on non, on s'est pas barré avant. Je sais plus quand c'était. Mais attendez, j'ai validé des trucs. Comment ça? Attendez, on a validé des trucs. Oh, incroyable. Mais on est d'accord, j'ai tout activé là. Bon, on descend. Hein. Alors attention, on va faire la glissade parfaite. Jusqu'en bas. Donc ça, c'est le speedrun officiel. C'est pas du tout préparé, bien entendu. Regardez bien. Rien n'a été préparé pour ce speedrun. Hein. Tout était bien sûr tel quel. On est arrivé sur cette seed de planète incroyablement prête. Fouettez oui à tout. Alors le live long, le live court, ouais en fait c'est ça qui est. C'est qu'en fait normalement on est censé faire le préquel déjà pour faire la blague. Parce qu'on avait loupé. Je viens de me faire juter par le café. On avait loupé l'enregistrement de l'épisode 1 parce qu'on n'était pas au courant de Twitch. On avait déjà fait la blague sur la saison 2 avec à refaire l'épisode 1 de la saison 1. C'est technique comme blague, mais ça fonctionne. C'est validé par les JO. Et du coup, le préquel serait marrant. Alors moi, j'ai aussi bizarrement toute la liste des endroits où passe la flamme. Je ne dirais pas qu'il y a un sport préféré actuellement. Bien sûr, des JO. Si vous ne connaissez pas le sport de la flamme des JO, il y a déjà un sport qui est activé dès le départ par la population qui reçoit, bien sûr. Bien entendu, la technique de prendre des pistolets à eau. Bien entendu. Allez, on repart en glissade. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir que je tourne. Je crois que c'est un peu agressif là, le tournant. Je pense que je vais prendre le mur. Hein. Voilà, c'est mieux. Et là, je crois qu'il y a des trous. Donc là, je glisse, je tombe, je meurs. La blague est là. Bien entendu. Et on arrive bien sûr à l'avant-dernière salle. Parce que je crois qu'il reste encore deux trous à faire. On va s'en occuper tout de suite. Bien sûr, on a les outils, hein, bien entendu. On va essayer de trouver un trou. Je crois qu'il y avait un trou juste à côté. Peut-être qu'il faut que j'allume la lumière. Mais avec mon oxygénateur, c'est compliqué. Attendez, je vais allumer. On creuse ici. Ah. Je peux comprendre que quand on voit du vert, c'est qu'on est déjà pas loin. Remarquez que j'ai les outils, hein, bien sûr.
Donc le speedrun, il dure réellement 4 minutes 40 pour finir le jeu, enfin pour activer une planète. Chose que, bien entendu, nous avons décidé de pas faire. Là, on va y arriver dans pas longtemps. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Faut qu'on descende encore. Elle est pas encore sur speedrun.com exactement. Elle est pas du tout officialisée. Bientôt. Crois que pour venir, on va avoir plus de mal, mais c'est pas grave. On va tout droit et on se dit que ça marche. Ouais, bon taf, Nibbler, en cœur avec toi, hein, bien sûr. Je te chouchoute. Ah, I don't have the outie. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Allez! Mais on était bien partis! Tomber pile sur un mauvais truc là? Un mauvais coin? Apparemment. On peut continuer à descendre par là. Bon, on descend par là. Hein. Heureusement qu'on a l'oxygénateur portable parce que c'est tout ça n'aurait pas pu être fait. Je compte sur le fait qu'on trouve le corps, hein, parce que si on retrouve. si on trouve pas le noyau, on est dans le caca pour monter. Ah, ça y est! On est dans la région du noyau! Attention, le speedrun va bientôt s'arrêter. Oh non! Mais. Moi, je veux creuser encore! Où est l'entrée du noyau? Ah! Ouh là là, je suis en train de bouffer mon terrain. Attendez. Ça, c'est le noyau, ça? What the fuck? Mais arrête d'appuyer, là! On descend. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là-bas? Pourquoi ça a l'air d'être agressif? Alors, je suis jamais allé dans le noyau, donc vous allez dealer avec moi. Hein. Donc, ouais, alors le speedrun il se passe avec juste un générateur pour pouvoir générer de l'électricité, d'après ce que j'ai compris. Et pouvoir construire bien sûr parce qu'on a dès le début des piles des respiratoires, ouais c'est ça, des petites réservoirs d'oxygène en fait. Et avec ça ça suffit apparemment. Ah bah il est là. Il est là-bas. On arrive noyau. On arrive doucement mais on y arrive. Oh mon dieu, mais on va y arriver ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est quoi les trucs violets? Donc j'ai déclenché Drama N, normalement il prend les photos hein, depuis tout à l'heure. Normalement c'est corrigé. Et Cladmi, merci de bien sûr proposer la run, parce que je crois qu'on peut pas proposer nous-mêmes la run à speedrun.com. De toute façon, on sait que tout a été bien sûr acheté. La plupart des runs qui sont sur speedrun.com sont du tout à fait achetés. Pouvoir rentrer dans le palmarès. Ah, mais c'est de l'astronium. On va en prendre, hein, parce qu'on en a besoin. Ah non, mais c'est très bas en fait. Oh là là, mais comment on va faire pour revenir? Oh. Il y a de l'astromium, mais je sais pas comment récupérer ça. Que je peux sauter là, d'après vous? Après les runs IGT in-game time?
Real time, on rajoute les runs achetés. Ah bon, d'accord. Je ne savais pas. Merci de me dire. Bon, l'Astromium, ça a l'air bien. Est-ce que je vais gagner un truc en prenant? De toute façon, je pourrais même pas le garder. Parce que j'ai rien dans le dos qui me permet de garder ça. Bon. Continue. Ah, je suis tombé! Ah, mais il y a de la pesanteur! Lol. Il y a une pesanteur particulière ici. Comment? Ah! Ah, je connais! Je connais ça, j'ai vu Inception. Ok. J'ai l'impression que le noyau n'est pas activé. Il manquait peut-être des piliers. Lol. C'est ici? Descendu pour rien? Je vais devoir remonter? C'est une galère. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est intéressant, mais je veux descendre moi. En plus, c'est pas comme si on se perdait, là. Hein. Bon. Comment vous dire? On va aller par là. Il est pas du tout activé, le noyau. Tout de ma gueule? Pas activé tous les piliers? C'est ça qu'ils sont en train de me dire? Mais... N'explose pas, s'il te plaît. Je veux juste descendre. Please. Ah mon dieu. Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que c'est ça la question. Le truc est pas activé là, il est fermé. Comment je remonte? Ah le speedrun. Oh la honte. Le speedrun est mort. Là je suis descendu, c'est bien, mais... Ça m'aide pas en fait. En plus, je suis arrivé par où? Vous êtes des blagueurs, hein? Le truc est pas activé, je crois. Hein. On est arrivé par là. Ah, ça y est. Bah, on va remonter, hein. Lol. Pourquoi il est pas activé, le noyau, là? On va me dire il est activé, mais ça, c'est... la blague, c'est ça. On remonte. Je comprends pas. On avait vérifié, il y avait bien tout. Ouais, là, il a pas l'air d'être activable. Ah oui, en plus, il faut... il faut un matériel pour... Pourquoi ça s'est fermé? Je suis arrivé par là? Je peux me faire foutre, c'est ça qu'il est en train de me dire? Ah! J'ai failli mourir. Non, je suis arrivé par là. Ok. What the fuck? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je peux pas monter? Peut-être pas comme ça. Hein. Ça? Un peu mieux. C'est par là qu'on est arrivé. Oh, mais quel enfer. Quel enfer de speedrun. Allez, allez, on remonte. On va remonter, on va voir. Apparemment, on n'a pas fini les piliers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est où que je dois passer? On voit rien. C'est là? Et n'importe quoi, les trous là. En constante chute libre. Tricher. Ah non, on peut pas tricher. Allez, non. Oh là 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 là, le speedrun de l'enfer, c'est la remontée. On appelle une remontada du jeu. C'est un des bugs qui existe. Bien entendu, c'est quand vous n'avez pas fini. Et en plus ça rame. Oh là là, c'est l'enfer. Je pensais pouvoir y arriver, mais non. Le jeu a décidé de laguer. Il nous apprécie plus. Il nous apprécie plus.
Ok, on est là. Ah ouais, non, mais regardez-moi cette descente aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, là, sur le coup? Eh, mais je m'en voulais en fait. Il est où le trou? Être l'enfer pour remonter. Oh, suis en train d'y penser, mais j'ai fait que de la ligne droite. En plus. Allez, 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 allez. C'est qu'une impression. En plus, je me fais attaquer par des trucs. Tout va bien. Juste pas que je redescende encore plus bas. Ok. Le colimaçon a fonctionné. Déjà, ça c'est pas mal. On va continuer le colimaçon. Et ici, il y a un problème. Oh là là. On va y arriver. Juste en mâchant le saut. Le bunny jump. Allez, allez. Voilà, c'est bon. En 7 minutes de speedrun, on est bientôt à la fin, bien sûr, hein. Bon, ici, ça va être facile à remonter, mais je comprends pas qu'on ait loupé un pilier. Choqué. Faudra qu'on se rappelle où est le trou aussi, parce que. Alors, par contre, là où il est. Et là, regarde, ils me disent que le noyau il est pas activé, mais je comprends pas pourquoi il me dit que. Trop bizarre. Bon, je vais laisser la carte pour voir quel est le noyau qu'on n'a pas activé. Parce que ça, c'est le. Celui qu'on voit, c'est le noyau, le pilier qu'on n'a pas activé, parce que je comprends pas. On a activé tout. Ça, on en aura besoin. Faut que je m'en rappelle qu'il faut que je les prenne en fait. Faut que j'en prenne une. Peut-être déposer des trucs. Genre la bonbonne. Pam, 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 pam. Pour l'instant, je vois aucun pilier. Hein. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il n'y a aucun pilier qui est. Et activable pour l'instant. Mais je comprends pas pourquoi on voit celui-ci par contre. Enfin, c'est celui qui est le plus proche, j'imagine, mais. On va aller voir, au pire. En tout cas, on a vu qu'il y avait un principe de gravité en bas, ce qui est déjà pas mal. Ça joue à la Inception. Ouais, le noyau, il est pas ouvert. Là, il y en a un deuxième, celui-ci il est activé aussi, c'est celui qui est le plus proche de la base normalement. On va plus en trouver d'autres.
aller à celui qui est proche de la base. On va les compter parce que c'est ça. En fait, je sais pas combien exactement il y en a, mais normalement il y en a 6. Parce qu'on en avait fait 3 déjà. Donc là, on en a fait 3 de plus. Normalement, c'est bon. Ils sont tous activés. Par contre, pourquoi le noyau n'est pas allumé? Vais vous laisser réfléchir dessus. Il faut que j'aille aux toilettes. J'arrive. Speedrun continue, hein. Donc oui, bien sûr. Ne jamais oublier que dans le speedrun, la pause pipi est comptabilisée et que il faut aussi se laver les mains. Alors, nœud d'origine, c'est bon. Nœud brillant. Nœud brillant. Nœud brillant. Nœud brillant. Donc ça, donc c'est des téléporteurs. Si vous ne le saviez pas, on n'a pas essayé, c'est vrai. Mais je comprends pas, ils sont tous activés. Merci, bonne réunion. Nœud d'origine. Ils sont tous activés, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui me prend la tête là? Du coup, il est pas brillant, il est tamisé. Va essayer de revenir à la base, je comprends pas. Ah, ça, c'est pas la base, ça. Ça doit être nœud d'origine. Ah, celui-ci n'est pas activé, le nœud d'origine là. Élévation de la surface nord. On va aller à celui-ci, on va aller à l'autre, du coup. Oh, quoi? Il n'est pas activé celui-là? Comment c'est possible? Le nœud d'origine, il n'est pas activé. Non, normalement, on n'est pas loin. Ah
non, nœud d'origine, c'est de là où je viens, c'est ça? Là, ils sont tous activés. Là, je suis où, hein? Est-ce que je suis à côté de la baraque? J'ai l'impression, oui. Bon. C'est bon. Pas besoin de regarder. Bon, je comprends pas ce qui s'est passé. On redescend, du coup. Dans le noyau, il s'est pas activé là. C'est d'un côté où fallait pas arriver par là? Je comprends pas. Quoi que si, peut-être. Ouais, non. On n'en a pas besoin. Glissade. Je l'ai pas pris. Dane. Bon, la prochaine. Allez, continue! Non? J'ai trop remonté. J'ai pas compris quel était le problème avec le noyau, parce que si tout est activé, là, je vois pas ce qu'on pourrait faire. À part s'il faudrait que je débloque un truc, mais pas que je sache. Normalement, c'est censé être les piliers égale le noyau. Trop bizarre. Ok. Allez, glissade. Youhou, on est descendu, on est descendu. Oh, oh. Ça aurait pu mal se passer. On est toujours en glissade. Normalement, notre descente est à droite de la rallonge. Enfin, là, je risque de mourir à tout instant. Hein. Donc, priez pour que je survive. C'est là où c'est la galère. Ouais, remarque que je peux faire une descente droite. Là. En fait, c'est la remontée qui est chiante, mais sinon, la descente est... Non, on a plus beaucoup de gravité, là, déjà. Hein. Fais mourir. Fais mourir. Fais mourir. Ça, ok. Ah! Vois pas ce que je peux faire d'autre que creuser en vrai. C'est la blague. Où suis-je?
Ah, le centre, il est là, ok. Il m'indique le centre avec... Mais moi, je veux traverser, en fait. Oh, il est en train de m'énerver. Je peux pas traverser parce que j'ai pas les bons outils. Il m'embête. Ça y est, on y est! On y est! Enfin! C'était qu'un pilier! Nous y sommes! Là, je vais mettre un pull-up parce que c'est nécessaire. Poum, poum, poum. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Ah oui, si je mets des aides en plus, c'est compliqué. Attends, j'enlève ma cam. Pour la beauté du jeu. Quoi? Ah, ça y est. Il en fallait trois? What the fuck, man? Dis-moi qu'il n'y en a pas que trois. En fallait trois. Oh non! I'm so sad, you know. Il fallait trois quartz. Comment je fais pour remonter maintenant? Puis-je assurer? J'en ai qu'une! Je suis censé faire quoi avec? Ah, c'était juste. Ah, bah c'est bon, ok. Faut savoir où faut aller. Le pull-up qui fonctionne pas. Ça y est! On a enfin réussi! Et donc là, on peut aller ailleurs. On va aller monter là. On va ressortir déjà. Ça peut être pas mal. Et donc du coup le corps... Attendez, attendez. 54 minutes! Bravo, bravo, bravo! Bravo à tout le monde! C'est un speedrun du jeu validé par la commu. Je vais pouvoir quitter ça. Non, bah non, je sauvegarde pas. Hein. Non mais c'est bon. Non, je sauvegarde pas, j'ai dit. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié quand même, c'était bien Astronir. Est-ce qu'on joue à autre chose la prochaine fois? Je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, là, on a déjà fait tout le process de activer la planète, tout ça. Là, je suis pas sûr qu'on soit à côté de la maison. Attendez, je vais vérifier. Ah si. Bon, du coup, j'ai bien choisi le truc. Ouais, peut-être que. En fait, le truc c'était de finir. Bah, on vient de finir le noyau. Tu as loupé le noyau. Bah, tu regarderas du coup à la fin. C'est pas grave. Mais du coup, c'est fini. On a fini la mission d'activer toute la planète qui nous permet de nous téléporter dans une autre planète. Mais alors, par contre, c'est ce que je disais, c'est que peut-être qu'on a fini le jeu. Dans le sens où là en fait tout ce qui va rester c'est des augmentations de en fait c'est peaufiner tout le reste en fait donc c'est pas incroyable. Ça c'est quoi ça? Le bruit en moyen. Peaufiner le fait qu'on n'arrive pas à avoir du gaz, tout ça quoi. Donc on va regarder. Mais pour moi on a fini.
Un concept fondamental active le noyau d'une planète, creuse profond, trouve le noyau planétaire et découvre comment l'activer. C'est bon. Là, il y a, tu vois, il y a d'autres trucs. Il y a un satellite non identifié, rentrant sur le satellite non identifié qui était découvert dans le système solaire. Donc ça, c'est exactement ce qu'on peut aller faire, d'ailleurs. On va peut-être faire ça. Je pense que ça, il faut le faire, justement, quand on a activé tout et qu'on peut aller se déplacer. Donc là, on a fini une partie, c'est-à-dire Silva est activé. Et ensuite, on va chercher du coup la résolution du mystère, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur cette planète. Moi, je ne sais pas exactement ce qui se passe sur cette planète, parce que ça, c'est justement, c'est le lore. Autre que, on peut se téléporter vers ce satellite. Donc, on va aller voir le satellite et on va voir ce qui se passe là-bas. Avant de partir. Mais pour moi, dans l'idée, ouais, on a fini le jeu, parce que c'est. J'imagine qu'il faudra répéter ça sur toutes les planètes. En énormément de temps pour pas grand-chose. Donc je te remontre le noyau de la Terre, le noyau de la Silva. Comme ici. Hop. Et là, on peut pas l'activer. Ah, c'est intéressant, on peut pas sauter là. Je sais pas si on peut sauter d'en dehors de ce noyau. Genre d'ici, est-ce qu'on peut sauter là-bas? Non. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre l'astronef là. On va essayer de faire ça. On va prendre la petite navette et on va se balader avec notre carburant d'hydrazine. Et voir ce qui se passe. Mais je pense qu'on a fini. En l'ayant activé, on peut le voir. Et à partir du moment où on y est, je pense que en fait, on n'a que la même chose à faire. Oui, c'est un peu le cas. Après, tu perds ta gravité, tout ça. Perds ton, dans, je veux pas crier au complot, mais bon. Je pense que je ne sais pas si c'est le genre de jeu de lentilles, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plus Hades actuellement. Bon, on se barre. On va voir ce qui se passe. On voit quelque chose de nouveau. Là. On va au satellite non identifié. Voir ce qu'il y a là-bas. Voilà où tu veux, hein. Oh, c'est joli! J'enlève la cam. Ah, je suis en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Attendez. Je crois que je suis bloqué. Ah oui, d'accord. C'est un mur invisible. Et donc, ça ressemble à ce que je pense que c'est. Il faut ramener des trucs, j'imagine. J'ai l'impression. Je dirais que du quartz, hein. Faut juste aller chercher du quartz. Parce que ça, on en a plein, hein. Ah non, c'est pas que du quartz. Ah oui, c'est des symboles différents par planète, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça, c'est du. Ça, c'est du. C'est de l'organique, j'ai l'impression. L'astropédie. Ah, bah en vrai, on est à la fin, hein. Premier truc, c'est quoi? Ah, c'est de l'astromium, c'est ça? Ah, il faut ramener les trucs au noyau de chaque truc. Ah bah non, on va pas faire ça, hein, je vous le dis direct. Oh non, ça c'est l'astromium, mais du coup, c'est toutes les planètes ont le même truc. Ok.
Pour invoquer un démon, je connais. Nanocarbone, non, c'est pas ça. Alors, du coup, on revient au début. Ah, de l'ammonium, peut-être. Non. Ah non, ça ressemble à des pétales. Donc, je comprends pas le logo là. Les pétales, c'est des ronds qui ressemblent à des pétales. Trois ronds qui font une pétale. Trois ronds. Trois pétales plutôt. Bah, je sais pas quoi, ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas un truc produit par. Attendez, parce qu'on a utilisé du quartz. Ça ressemble pas à du quartz. Là, il y a plein de pétales qui ressemblent. Il y a plein de trucs qui ressemblent à des pétales, mais il n'y a pas de rond. Le triangle à force avec des ronds coupés. Et en deux. Des ronds coupés en deux. Ça ressemble à un rond de lave. Malachite, il y avait trois pétales. Malachite, il y a trois pétales. Oui, mais il n'y a pas de rond coupé en deux. Ça, c'est le problème. Bon, eh ben c'était sympa, hein. Salut! Du coup, là, par exemple, est-ce que je peux sauter sur une autre planète, là, ou pas? Pierre étrange. Ah oui! Ah oui, d'accord. Mais faut activer les autres. Ah, c'est sympa, ça. Faut juste activer toutes les planètes. Lol, lag. Et ici, il y a quelque chose? Non. Quoi? Non. Bon, donc du coup, pour moi, ça c'est mon problème, c'est que pour moi, à partir de ce moment-là, c'est du remplissage de jeu. Parce qu'on va réitérer la même chose à chaque fois. Donc là, par exemple, si je vais sur des holos, en fait, l'idée, c'est que je vais chercher les trucs. On fait la même chose. Avec plus de facilité sans doute. Et voilà quoi. On va aller sur des holos comme ça je vous montre la tête que ça. Atrox. Atrox aussi, on a fait un petit truc sympa là-bas. Alors, c'est où que je me suis posé la dernière fois? Je sais plus. Voilà, donc du coup, il faudra activer ça encore une fois, pour la sixième et millième fois. C'est où que je me suis posé? Je sais pas moi. Que j'ai même pas d'abri à ce... Ah, ça doit être là. Oh, ça ressemble pas du tout à ce que je voulais. Je me suis jamais posé dans un trou à désolo, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas au bon endroit. Voilà, c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est le truc qu'il fallait que je cherche! Ah, purée de sa mère! C'était une autre mission! On se barre! Salut! On va rire, hein, mais... Je pense que... Je pense que ça, il faudrait qu'on aille le faire. Ah, c'est là. Dis-moi que je suis posé là et que je fais pas n'importe quoi. Ok, c'est bon. Je crois que c'est là. Oui, c'est là.
que j'avais réactivé. Mais non! J'ai réappuyé sur C, je suis en train d'utiliser mon carburant pour rien, c'est de l'hydrazine! Je vais galérer! Vite! J'ai utilisé deux fois 25%! Je suis en train de pleurer actuellement. Sortir, s'il te plaît. Oh, ça va, 42%. Bon, alors du coup, regardez, ça ressemble à ça, des holos ici. C'est funkydélique. Y a rien. Y a rien. J'avais organisé les débris et tout, mais bon, c'est pas incroyable. Et là-bas, du coup, c'est ma descente. Vers le sous-sol. J'ai commencé à ne pas être sympa à partir d'ici avec les planètes. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, l'idée, je pense qu'on va pas forcément, du coup, peut-être que j'essaierai de vous montrer peut-être la fin quand j'aurai tous les trucs et tout, mais il faudrait que j'ai le temps de préparer, quoi. Ou sinon, on s'arrête là. En vrai, on a déjà fait un peu le tour, on a activé une planète et c'est pas mal déjà. Je ne sais pas. Parce que là, en fait, on va vraiment refaire toujours les mêmes trucs, aller au plus efficace à chaque fois, mais ce sera sur chaque planète. Découvrir des planètes différentes, mais bon, ouais. Incroyable. Donc là, normalement, je devrais habiter ici. Mais j'ai pas fait d'abri, j'ai rien fait. Voilà. Et je crois qu'on a même pas de truc de mission. Tellement j'ai abandonné le truc. Là, par exemple, si je devrais faire un truc, ce serait un abri. Mais par contre, l'abri, c'est une galère à faire, je crois. Façon, c'est l'heure pour moi. Hop, bouge. On n'a pas beaucoup d'électricité aussi ici. Voilà. Abri, plastique et silicone. Ouais, voilà. On va aller chercher du plastique et du silicone et peut-être qu'on fera un abri ici. Mais voilà, à chaque fois, il faudra faire un truc pour pouvoir avoir les missions. Voilà. Sinon, on ramène juste le truc d'oxygène. Mais bon. Je pense qu'on va se poser sur. On va se poser sur Sylva et. Si jamais je suis motivé à continuer le jeu avec vous, je jouerai avec vous, mais je pense j'ai bien fait le topo de ce qui se passe dans ce jeu-là. Pour éviter de faire des redites à chaque fois, je pense que c'est mieux de. Alors, c'est où qu'on habite? C'est là. Pour aller chercher la musique. Srega, si t'as une musique d'ailleurs de drama coréen ou de drama tout court qui permettrait de faire une fin, je pense que tout fonctionne. Et c'est bien si tout fonctionne. Je vais pouvoir passer à la suite. Tac, 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 tac. Ah oui, peut-être qu'on va regarder le journal de mission parce qu'on a vu le satellite là. Voilà, active les noyaux de chaque planète. Il y a des trucs qu'on n'a pas validés, genre potentiel libéré. 73 schémas, on n'en a pas fait. Une plateforme d'atterrissage sur une autre planète, on n'a pas fait. Mission de stockage imprime et remplie une bonbonne de ressources moyennes, on n'a pas fait. Récupère du lithium, on n'a pas fait. Et rassembler de la machalite, on n'a pas fait. Après, il faut activer. Écho du passé, débloque et imprime un scanner de sonde. L'événement de la plateforme, donc ça c'est la plateforme d'échange. Trouve la TAM, ça on l'a fait. Insère une puce exo dans le TAM, on n'en avait pas. Faut qu'on aille sur Vesania, il faut que je trouve une. Voilà. Pas grave. Du coup, je vais chercher. Alors, est-ce que j'ai moyen de faire des réactions là? Attends. Comment on fait le bonhomme pour dire au revoir? Comment on fait les trucs? À chaque fois je l'active, là je l'active pas. Pourquoi là ça je l'active pas?
C'est une blague! Je vous dis au revoir avec le perso. Attendez. Faut juste que je m'organise. Hop, G. Bon, voilà, c'était la fin d'Astronia. J'adore comment il danse. Pour vous, je sais pas si on va faire la suite. Je vous dirai futurement parlant. Et je vais checker une musique vite fait. Fin. Attendez, je le refais la danse. Hop, YouTube. N'empêche, que des bonnes danses, hein. Non. Alors attendez, parce que... Ah oui, c'est ça, je vais mettre... Je vais faire My Juicy. Le son. On va checker la fin, voir si ça fonctionne. Je vous remets la danse, cette petite vibe à la MC Hammer. Mais oui, c'est toujours important. Can touch this. 1 million de vues, je pense qu'on va dire que cette musique elle fonctionne. Ok. Alors, maintenant, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé, c'était cool. On va essayer de jouer un autre jeu la prochaine fois. Je sais pas encore exactement quoi. Mais sans doute Fallout 1. On va voir. Voilà. Pour vraiment cringe. Bon, à plus. Merci d'avoir été dans le coin encore. Et des cœurs et des cœurs. Ah oui, il y a la musique qui s'est relancée. Hop. Allez. Le son. Le son. Le son. C'est bon.